Bonjour tout le monde. Alors voilà, aujourd'hui je viens vous faire un petit tour de l'évolution des poussins que j'ai eu pour cette année 2021. Donc vous les verrez pas tous aujourd'hui parce que là j'ai eu des éclosions en simuca. Donc là on a les premiers qui sont nés sous la maman. En fait, vous voyez, c'est les quatre petits là. La maman, elle est ici, c'est la noire, voilà. Donc on a les premiers pioutes. Allez loulou, viens les loulous. Donc déjà le premier c'est un coco ici, voilà. Enfin je suppose vu la crête qu'il a, voilà. Le deuxième le caillouté aussi là-bas. Et le petit gris perle c'est aussi un coco, super, on est content. Et là c'est une pépette. Donc voilà. Bon, là, on a toujours Mathilde. Hein. Là, on a ma petite crapule qui se promène. Elle a grossi un truc de fou. Mais enfin, bon, je sais pas. C'est bizarre. Elle s'est développée d'un coup, quoi. Du temps où elle était poussin, là, elle a 7 mois. Oui, 7 mois. Elle a le cul sale, d'ailleurs. Et en fait, depuis que le coq, il la coche, voilà, quoi. Elle a pris du poids, enfin là, c'est développé, on va dire. Donc les bramas sont cachés là-bas, en fait. C'est pas qu'ils sont cachés, c'est qu'ils recherchent la fraîcheur. Donc ils kiffent ce poulailler là-bas, alors que le leur, il est là. Donc voilà, et je vais vous montrer aussi, j'ai sorti aujourd'hui les petits loulous. Ici, voilà, ceux qui sont nés sous la... c'était ceux de la... première tournée de Covatuto 16 litres. Donc voilà, il y en a 4. Bon, on voit pas le quatrième, je sais pas où il est. Et voilà, il est dessous. Là. Il se cache en fait dessous. Voilà. Et donc ça prend l'air. C'est leur première vraie grande journée à l'extérieur. Donc ils sont encore un petit peu timides. Hein. J'en ai une, elle a une couleur. C'est juste impossible à dire en fait. C'est celle-ci là. Voilà. La pépette là. Donc là c'est évidemment un mélange de couleurs. Hein. J'ai pas. On va dire les mamans ont mélangé leurs œufs. Le coco, il est. Voilà, c'est un camail cuivré. Dans son parc, il y a une fauve, il y a une froment argentée et il y a une camail cuivrée aussi. Donc c'est un mélange de tout ça qui a donné. Donc je suppose que là c'est une de mes poules cailloutées qui avait dû aller pondre dans le parc des autres. Donc à voir par la suite, mais bon c'est pas grave. Toute façon ceux de la maman aussi là-bas c'est pareil, hein, c'est du mélange de couleurs. Donc c'est pas très, très important de toute façon, puisqu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé justement des couleurs originales, enfin un peu mélangées, que le standard ça les intéressait pas trop, voilà quoi. Ils aimaient bien la couleur quoi. Donc j'ai fait ça, mais par contre, voilà, ceux qui sont nés dans ma couveuse Simuca là, entre hier et aujourd'hui, alors j'aurai des cailloutés. Donc cailloutés noirs. Et caillouté le couple, et j'ai une bleue qui est sous l'échelle, là, vous la voyez pas. Et puis sinon j'ai une autre tournée aussi, enfin qui est sortie en même temps que les cailloutés, avec des gris perles. Donc voilà, et j'ai ma petite froment dorée qui est dans le poulailler là et qui s'est mis à couver. Donc j'ai pas osé lui enlever tous ses œufs, j'y en ai laissé 5 et puis ça donnera ce que ça donnera, on verra bien, parce que ça me fait trop de peine d'enlever des œufs sous la poule. Mais j'aime pas trop les laisser couver, surtout avec les chaleurs comme ça. C'est pour ça que je me suis mise à la couveuse hein, en fait. Parce que ça fait quand même souffrir les poules, hein, entre la chaleur, pas sortir, pas manger, pas boire. Enfin, j'ai tout installé à l'intérieur de façon à ce qu'elle puisse boire et manger, bien évidemment. Je vais pas laisser ma poule 21 jours comme ça, mais bon, ça les fatigue énormément, quoi.
Enfin voilà, c'était pour vous faire un petit tour. Et puis bientôt, je vous parlerai aussi du potager, comme vous avez pu le voir là-bas. Enfin, vous pouvez le voir. On a installé des poteaux avec des ficelles, donc qui seront prêts à accueillir les tomates suspendues. Enfin, disons que voilà, les tomates seront faites sur ficelle plutôt que sur, sur tuteur. Donc, je vous ferai bientôt une vidéo potager. Là, pareil, on va mettre d'autres artichauts ici. Et puis, voilà, je vous ferai voir la suite plus tard. Voilà, voilà, c'était la vidéo du jour. Et puis, je vous ferai une petite vidéo pour la sortie des poussins de la Simulca. Voilà, et oui, j'en ai d'autres à l'intérieur encore. J'ai aussi deux petites cailloutées pures et trois gris perles qui ont à peu près une dizaine de jours. Donc, je vous les ferai voir certainement plus tard dans une autre vidéo. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, bon week-end.